On se retrouve ici sur les hauteurs du Puy Merlin qui borde le parcours de randonnée. Le mot Puy indique toutes les hauteurs collinéennes que l'on retrouve très caractéristiques dans notre paysage. Souvent ces puits sont recouverts de forêts ou de bois, même de bosquets. Jadis ils étaient plutôt couverts de landes à bruyère. Dans le fond des vallons, donc ces puits, dans le fond des vallons, on va retrouver l'écoulement des eaux, des ruisseaux, des rues ou des rivières de manière un petit peu plus importante. Pour le randonneur extérieur à la région, la première question qui l'interroge, c'est tout simplement la couleur de l'eau. Et cette couleur de l'eau est valable pour tout le département de la Creuse, parce qu'on se retrouve sur un substrat granitique et ça donne cette couleur marron doré qui correspond en fait à l'arène granitique qui s'est délitée à partir de la roche-mère. Et ça donne cet aspect très chaud, contrairement à ce que l'on peut trouver en substrat calcaire, où là on a plutôt une couleur vert émeraude de l'eau. Bien, là, nous sommes devant l'étang de la Grande Casine, un des plus grands étangs de Creuse, d'une superficie à peu près d'une cinquantaine d'hectares, géré par un organisme public, le syndicat de la Faux. Et donc, a été envisagée en fait une gestion qui puisse prendre en compte la pêche et qui puisse prendre en compte également tout ce qui est de la dynamique d'observation naturaliste du site. Une zone de protection donc a été réservée pour les naturalistes de manière à ce que la faune soit le plus tranquille possible.